1991. Antoine Giacomoni, grand photographe et ami, a confié à Statis le rôle d'une empoisonneuse dans sa pièce de théâtre sur la veuve Winchester. Tous les soirs, Statis incarnait cette femme fatale qui envoûtait ses amants et qu'elle tuait d'un baiser mortel. Sur scène, Statis entamait une longue chorégraphie d'agonie, accompagnée de vocalises dithyrambiques de notre diva, Armand Altaï. De son sac, son rouge à lèvres, arme blanche. Au préalable, indispensable, elle applique sur ses lèvres un vernis transparent. Un moment, dévisse le bâton de rouge à lèvres, l'étale du contour à l'intérieur des lèvres. Bouche pour l'édification, baiser empoisonné. À trouver nocturnes ou diurnes, futures victimes, les amants. De corail.
elle oublie, mais oublie-t-elle vraiment son vernis transparent, ses lèvres peintes étreignent le miroir, le train de rouge baiser brûlant sur le miroir. Se plisse, peu de reflets, geste complice, ses ongles glissent, sans prise, sur la surface lisse, le long du miroir, elle glisse. Suicide, offrande, ou merci beaucoup. Merci beaucoup. Je suis allergique à la plume. Je vais éternuer dans 5 secondes. À tout de suite. Non, ça, c'est le vernis transparent.